Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une carte à secouer, une shaker card. Donc là, ce sera assez simple au niveau du mécanisme puisque j'utilise quelque chose qui est déjà préfabriqué, préconçu. Alors, c'est une structure, je n'ai plus le nom de la marque, mais plusieurs marques vont proposer ce type de choses. Donc, il y a une enveloppe. L'enveloppe est généralement prévue pour être un peu plus large, un peu plus grande que celle habituelle, puisqu'il va y avoir du volume. Et puis, la forme en découpée, donc là, c'est des étoiles, il y a des cœurs, il y a des nuages, il y a un peu tout ce que vous voulez. La carte prédécoupée, et puis la forme qui va pouvoir permettre en plastique, qui va pouvoir permettre d'intégrer les petits éléments que vous souhaitez dedans. Donc là, par exemple, j'ai pensé à des paillettes, des sequins, des choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est choisir ce que je mets comme décoration. Moi, je vais prendre, c'est pour l'anniversaire de quelqu'un, je vais prendre un petit panda qui tient j'allais dire qui tient un ballon, mais je me demande si je ne vais pas choisir celui d'à côté plutôt. On va voir ça tout de suite. Et puis dessiner tout simplement un trait pour faire, parce que là, franchement, avec sa petite patoune, il pourrait très bien tenir un ballon. Un ballon donc en forme d'étoile. Alors, je positionne ma carte. Comme là, il n'y a pas de risque que je mette des cochonneries au centre de l'autre côté, vu que mon motif, je compte l'installer quand même loin. Je peux ne pas ouvrir la carte et laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est regarder. Je me dis, est-ce que le petit ballon, le fil, si je le mets un petit peu comme ça de travers, ça convient? S'il y a un peu de vent, par exemple, ça peut être le cas. Parce que sinon, ça doit être droit. J'essaye de le positionner là où ça me plaît. Je regarde, ça me convient. Je presse un coup, ça va fixer pardon. Le petit bonhomme. J'ai utilisé la presse à tampons parce que souvent, ces tampons où il y a une surface assez importante, ils ont des petits soucis pour avoir l'encre bien mise plate partout. Alors, ce qu'on peut faire aussi, notamment quand les tampons sont neufs, alors celui-là n'est pas neuf du tout, hein, je l'ai utilisé déjà pas mal, je vais le faire en dehors de ça, c'est venir gommer la surface. En fait, ça vient enlever un petit peu les produits qui peuvent rester dessus et qui font déperler l'encre. Vous savez, quand ça fait des petites gouttes, comme quand on a un truc, un imperméabilisant, quand on met de l'imperméabilisant sur les chaussures, et qu'après on met de l'eau ou un truc humide dessus, ça vient faire des petites gouttes. Et donc forcément, vu que nous, notre projet, c'est de venir, alors un instant, c'est de venir ensuite tamponner ce qui est humide, il faut pas que ça fasse des petites gouttes, il vaut mieux que ce soit le plus homogène possible. Alors, comme vous voyez, hein, c'est quand même assez solide, hein, comme tampon. Hein. Je sais qu'il y en a plein, elles font super attention et tout. Moi, je les maltraite, j'ai pas de soucis. Il y a juste certains qui, au contact du plastique, ont tendance à transpirer. Et ça, c'est gênant. Mais généralement, je vois aussi l'origine de ces produits. C'est pas les bonnes marques qui font ça, quoi. Hop, donc je viens mettre mon encre sur mon tampon, si ça veut bien. Voilà. Je tamponne une fois. Alors, pour appuyer moins fort avec mon poing, j'appuie avec le bord habituellement comme ça. Pour appuyer moins fort, je teste en ce moment cet outil. Je vais voir ce que ça donne. En fait, je pense que vous pouvez le fabriquer sans problème vous-même en prenant bah, peut-être pas un mug, surtout celui-là, il est plein, mais je sais pas moi, le fond d'un verre, d'une bougie ou je sais pas quoi, en mettant de la feutrine dessus pour que ça glisse. Il suffit de coller et je pense qu'on est bon, quoi. Ça va pas du tout. Alors là. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon tamponnage est complètement foiré. Donc, je recommence. Merci, presse à tampons. Je vais déplacer ça des fois que ce soit les tampons qui aient posé problème. Mais c'est pas logique puisque c'est vraiment central sur la truffe que ça n'a pas pris pour une raison que j'ignore complètement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Alors, je réappuie de manière la plus homogène possible. Normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, hein, ça fonctionne tout seul. Mais alors, pourquoi ça n'a pas pris? Je ne sais pas. Alors là, le tamponnage est bon, mais on voit que ici, alors je vais zoomer pour vraiment vous montrer. Hop, voilà. Alors ça se voit beaucoup moins au retour caméra, mais je vous le dis ici, on n'a pas un noir uni du tout. Donc je vais repasser une troisième fois. Hop. Alors, j'ai dérapé un petit peu avec. Avec mon encreur, donc je nettoie un peu là. Je vérifie que j'ai pas mouillé trop la plaque, que ça risque pas de cochonner autour. C'est marrant parce que l'image est comme corrigée au niveau de la caméra. On voit pas qu'il y a ce défaut au niveau du torse ici, où c'était pas du tout imprimé correctement, pressé correctement. Voilà, bon. Ça devrait fonctionner là quand même, hein, il a sa dose. Ah, ça manque encore un peu de noir. Et d'ailleurs, on le voit ici, il reste du noir spécifiquement au niveau de la gorge du panda. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens que ce tampon avait ces tampons panda que j'ai acheté pas cher sur AliExpress. Et parfois du mal un petit peu à fonctionner. C'est pour ça que j'ai remis aussi un petit coup de gomme préventivement avant parce que. Pas la première fois que je m'y reprends un petit peu à plusieurs fois, mais là je dois avouer que le fait qu'il faille que j'y retourne à 4 fois pour avoir un bon résultat, c'est quand même une première. Ça vient pas de ma presse à tampons qui est impeccable. C'est bon. Alors là, il y a encore un tout petit coin qui aurait pu être amélioré, mais ça je le ferai du coup si je veux à la fin au feutre. Alors, on y va. Je nettoie, je range toujours au fur et à mesure. Ça permet de s'y retrouver plus facilement et de ne pas perdre de matériel. Hop. Donc ça paraît crade, mais en fait c'est propre. Et ça n'empêche pas de nettoyer. C'est une sorte de peau de chamois synthétique, on va dire. Pour nettoyer les tampons, c'est ultra efficace. On n'a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit hors de l'eau. Et ça, j'aime beaucoup parce que ben, entre moi et les chats, je préfère limiter un peu. Certains produits et puis je préfère avoir tout sous la main. Donc il faut un minimum de produits quoi. Alors, je regarde, je vérifie, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me convient? Oui. Ensuite, ce que je vais faire, c'est reprendre un petit crayon noir pour les tout petits détails qui ne me satisfont pas. Hop. 2, 3 points là qui méritent d'être un petit peu améliorés. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pris une bonne caméra, mais on ne le voit pas. Alors là, j'essaye de refaire aussi le point de l'œil d'un côté et puis de le faire de l'autre, parce qu'en fait, il n'a qu'un œil. Enfin, il n'a qu'un iris. Qu'une pupille. Voilà, c'est pas très logique, mais il a qu'une pupille, je sais pas quoi vous dire. Je vous avais dit, c'est pas des tampons que j'ai eu très cher. Il y a des petites malfaçons. Après, moi, je trouve que ça fait le job. Et puis après, ben, on complète, on corrige un petit peu. S'il y a besoin. Des fois, il y en a, ils sont. Des fois, chez un même vendeur, en fonction du lot, on va pas avoir les mêmes qualités, les mêmes résultats. J'ai également mon. Moi, ça devrait aller pour l'épaisseur. Ma petite ficelle à faire. Donc, autant ici, il peut y avoir un coup de vent. Hop. Autant là, ça va se traîner comme ça. Je vais lui faire plusieurs petits bouts. S'il y avait un petit pompon. Je choisis une ficelle noire classique, mais vous mettez ce que vous voulez comme couleur. Ici, les points, je mettrai à la fin quelques couleurs. Ensuite, j'ai prévu ça comme fond. Donc, j'avais déjà noté ici
les endroits où découper, ça donne dans le fond une petite fleur de cerisier. Et en fait, c'est pareil, c'est un papier cartonné de bonne qualité. Ça, c'est un reste de planche 30-30, de feuille 30-30. Et de l'autre côté, on a ça avec un motif un petit peu étoile, étoile à 8 branches, hein, donc un peu étoilé, tout simple, qui va très bien. Enfin, je trouve. Hop! Dans ce sens-là, ça rentre pas, ça. Ça va être le problème. Alors, quand ils sont un petit peu durs à soulever, des fois, je les soulève pas et je glisse dessous. Ça dépend. Va me manquer le petit coup encore. Je vous dis, ce massicot, il est passé à 3 cm, 2 cm d'être parfait. 2 cm de plus en longueur, et il était vraiment mais parfait, quoi. Ah là là. Donc ça, en fait, ça va me servir à faire le fond de la carte. Et notamment de venir coller la forme étoilée dessus. Parce que si on met pas de fond, bah comment voulez-vous que ça tienne? Le contenu de la forme en plastique. Il faut bien qu'il y ait un fond, quelque part. Donc soit vous pouvez mettre un fond uniforme ou un fond motif. Moi j'ai déjà vu le coller à l'avant, mais je trouve que c'est beaucoup moins joli que de le glisser à l'intérieur et ensuite de venir coller ça ensuite dedans. Et vous n'êtes pas obligé de faire une plaque entière par exemple. Vous pouvez très bien mettre un petit mot qui va recouvrir, une petite étiquette, un petit quelque chose qui fait juste cette partie-là. À vous de sentir ce que vous préférez. Donc voilà ce que ça va donner et il manque encore le contenu. Alors là, je vais mettre les couleurs. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Soit j'utilise de l'aquarelle, soit... J'aurais bien mis quelque chose un peu punchy comme couleur. Donc je vais regarder. J'ai quelques Sharpies de chez Action que j'utilise très rarement parce que j'aime pas du tout les permanents, les feutres à alcool. Ils ont tendance à prendre tout de suite beaucoup d'ampleur et à être très très vif sur les couleurs. Donc là, je vais y aller tout doucement pour vérifier la diffusion. Alors, je zoome. Attention, on va être sur du petit point là. Voilà. Je zoome, en fait, je viens tapoter un peu pour voir ce que ça donne et vérifier que j'ai pas un truc qui me paraît aberrant. Et ça paraît un peu noir, plus sombre. Retour caméra, en fait, moi j'ai plus. J'essaye les réglages. Je vais essayer quelques réglages pour que vous ayez une... Oh, pas celui-là du tout. Une vision plus juste des couleurs par rapport à ce que j'ai. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas tout à fait ça. Donc le fond, pareil, est-ce que je le fais d'une couleur ou est-ce que je le laisse blanc? Souvent je le laisse blanc, mais là, bon, la personne est quand même assez jeune, c'est pour quelqu'un qui a 11 ans. Je vais mettre quand même un petit peu plus de couleur, je vais mettre du vert comme fond. Voilà. Une pointe de rose. Oh, ils sont très très durs à ouvrir. Et comme le rose et l'orange, ça se ressemble vachement, je vais remettre une pointe de bleu ici pour le dernier. Voilà, donc il a son petit truc de fête là, bonnet. Son chapeau d'anniversaire. Donc ça c'est pour la colorisation, franchement les pandas, tip top, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est fait. C'est easy, rapide le panda à coloriser. Surtout si le noir est déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Alors, ne pas se tromper, je vais déjà commencer par mettre la forme dans le trou pour la forme. Voilà. Ensuite, je vais mettre les différents sequins et trucs que je voulais prendre. Donc ça, c'est des petites paillettes de chez Action. Pour moi, ça, c'est pas des paillettes, hein, c'est trop grand. Mais en fait, à chaque fois, il y a trois tailles différentes dans une même couleur. Et ça, je trouve ça vachement sympa parce que
ça apporte une variété en ayant une monochromie. Et j'aime beaucoup les choses soit en camailleux, soit monochrome. Ben voilà, parfait. Alors ça, je les ai eus. Je sais pas si ça existe ailleurs, c'est des magasins qui s'appellent Régent. Ça fait des années que je les ai. Je mets un petit peu de vert, un petit peu de jaune aussi. Je reste dans des couleurs assez froides. Un petit peu de jaune pour rehausser, mais voilà. Donc c'était des petites fleurs et ça, ce sont des papillons. Non, c'est des fleurs. C'est des fleurs aussi. Ça, c'est des petites fleurs. Donc il y a jaune et puis vert. Et j'en ai un troisième paquet rose, il me semble. C'est pareil, ça, c'était un lot. Allez, quelques sequins dorés quand même. Donc les sequins, normalement on peut les coudre, ne me demandez pas comment, je ne sais pas. C'est plutôt en métal avec un petit creux au centre. Enfin, la différence entre les paillettes, les flocons de plastique, les flocons de pas plastique, les flocons de polystyrène et les sequins. Débrouillez-vous. Alors ensuite, je vais mettre la colle, ne pas se tromper de côté. Comme là, je vais avoir la jointure, je ne vais pas remettre une jointure. Elle est bien de ce côté-là. Je vais faire le tour ici. Et sinon, on peut prendre de la colle en tube en évitant... Ouais, tiens, je vais prendre de la colle en tube, tout simplement. En évitant la zone centrale où il va y avoir ça, puisque sinon, les petits morceaux colleraient dessus et puis on n'aurait plus l'effet de shaker. Donc, shaker, c'est secouer. Secoué et donc en fait quand on secoue la carte et eh ben ça bouge, ça fait du bruit, ça bouge. Ça c'est pareil au niveau sensoriel, on peut choisir des objets à mettre dedans qui sont plus ou moins brillants. Si vous variez un petit peu les choses, vous pouvez mettre des trucs un petit peu plus métalliques, des petites choses comme ça qui vont faire un petit peu plus de bruit. Ou au contraire, pourquoi pas utiliser du coton pour une carte de félicitation de naissance qui donnera quelque chose de plus doux, des pétales de fleurs. Voilà, vraiment énormément de possibilités. Donc là, je vais enlever ici la protection de l'autocollant de la fleur. Je remets ma fleur à peu près en position. J'aime pas cette étape. Voilà, je vous avais dit, j'aime pas cette étape. C'est une étape assez... voilà, bah voilà. Faites pas ça. Je vais retransvaser ça là-dedans. Je suis vraiment désolée d'être aussi maladroite, mais... Hop là. Je vais la remettre dans le trou. Et j'allais me tromper de sens en plus. Eh ben, faut le faire. Donc moi, je préfère que ce soit à la face arrière, parce que je trouve que c'est plus joli. Par contre, effectivement, je pense que ça peut être plus facile de le mettre à la face avant. C'est peut-être pour ça que les autres y mettent des fois à la face avant. Et là, je vois bonheur, il faut bien venir placer au bord quand on décide de faire cette solution-là, et pas la version plus petite. Donc là c'est important, ne prenez pas un truc qui colle pouf d'un coup au premier coup parce que là ça peut être un peu tendu. Hop. Alors on appuie bien, donc pareil vous pouvez prendre vos doigts. Moi souvent j'utilise un plioir pour bien réappuyer parce que aussi étrange et lamentable que ça puisse paraître, vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai déchiqueté mes cartes en appuyant, en frottant en fait n'importe comment les trucs. Donc hop, on laisse un peu la colle prendre, normalement c'est bon. Je vérifie que les bords, il n'y a rien qui dépasse. Que des deux côtés, on a un résultat qui est tout propre. Voilà, et ça bouge, et ça fait du bruit, et c'est le principe d'une checker card. Voilà. Après, bien sûr, je vais rajouter un petit joyeux anniversaire, je sais pas encore où, je sais pas encore lequel, mais ça va pas tarder. Voilà, donc j'ai pris une planche avec des mots dessus, je vais prendre sûrement Have a Wonderful Day, parce que je trouve que c'est quelque chose qui... Tiens. Je l'avais rangé à l'envers.
qui encadrerait bien le rond, enfin la forme découpée, comme ça. Voilà, je trouve que c'est joli. Et puis, j'aurais dû le tamponner avant pour éviter d'avoir des problèmes avec l'épaisseur. Il va falloir que je me mette au bord. Et pour le joyeux anniversaire, j'hésite. Je sais pas trop si la personne parle. Elle a 11 ans, donc. Bon, et puis après, Happy Birthday, ça reste quand même un grand classique, quoi. Je trouve que le petit Happy Birthday là, il fait très mignon et festif et qui irait bien ici. Je vais faire ça. Donc je prends une plaque. Parce que là, je pourrais pas, vu qu'il y a ça, je ne pourrais pas utiliser ma presse à tampons. Je vais juste bien me positionner. Hop, voilà. J'appuie pas pour pas mettre de résidus d'encre ou de choses comme ça. Je regarde un peu comment ça rend. Voilà. Hop. Est-ce que je reste sur du noir tout simple? Oui. Je mettrai par contre des pointes de couleur après. Alors là, je le sens pas. Je vais exceptionnellement me tamponner dans l'autre sens. Mettre le tampon sur l'encreur. Pas l'encreur sur le tampon. Généralement, je suis plutôt dans l'autre sens. L'encreur sur le tampon. Mais des fois, quand on a un tout petit tampon. Et un gros encreur, ça peut être plus pratique dans le sens là. Donc là, j'appuie, mais délicatement. Surtout que c'est des lettres, et les lettres, quand on augmente la pression, ça a tendance à se tordre. Donc là, je suis super contente, le résultat est nickel. C'est hyper. Alors, je sais pas pourquoi il apparaît un peu vert chez vous. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des couleurs de cette caméra. C'est du grand n'importe quoi. Bon bah je vous dis c'est noir. Hein. Noir c'est noir. Il y a de l'espoir, c'est très bien. C'est un joli noir. Mais voilà. Alors, je suis en train de coller l'autre pendant ce temps-là. Et je voulais vérifier que je ne me suis pas trompée d'angle dans lequel je voulais le mettre. Donc pareil, comme là j'ai un petit tampon, un gros encreur. Je vais faire dans le sens là, mais ce qui est plutôt conseillé, c'est quand même de ramener l'encreur au tampon. Moi, j'aime bien ici. J'appuie fermement, mais pas trop fort, pour pas déformer le tampon avec l'écriture. C'est bon, le tamponnage est nickel. Hop, le petit nettoyage, le rangement. Là, je vais le mettre un petit peu en valeur en mettant des petits coups de crayon noir qui viendront faire comme quelque chose qui éclate. Oh, tiens, tampon qui s'était décollé. Normalement, ça doit aller là. Oh. Alors, si jamais vous avez des tampons qui collent plus trop, passez eau et savon. Et si encore ça suffit pas, de l'alcool, c'est dégraissant en fait. Souvent, c'est la crème ou le sébum des doigts qui vient déposer une pellicule sur les tampons et qui font qu'ils n'adhèrent plus correctement. Donc, je vais venir juste les dégraisser. Donc, eau et savon, normalement, ça suffit. Et si ça ne suffit pas, un coup d'alcool et c'est bon. Donc, je vous avais dit, je vais augmenter un petit peu le petit truc là. Hop, hop, hop. Avec des petits traits comme ça. C'est la version simple. On en fait trois par machin. Ça met un petit peu en valeur. Ça met un peu de peps. Et comme je trouve que surtout pour 11 ans quand même, ça manque un peu de couleur. Je vais finir faire des petits points manuellement un peu sur tout le tour avec les quatre couleurs que j'avais prise pour le chapeau. Donc des petits ronds de toutes les tailles. Poc, poc, poc. Hop, 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 pour le vert. Ça me fait toujours marrer parce qu'en fait le cerveau humain est vraiment très mauvais pour l'aléatoire. Quand on essaye de faire de l'aléatoire, généralement on n'y arrive pas vraiment. On regroupe des choses,
On fait pas du vrai aléatoire, on essaye de compenser tout ça. Ce qui ne me dérange pas, parce que je trouve que par petits groupes de 3, par petits éclats, c'est peut-être pas plus mal. Plus gros. Hop. Moi, c'est que souvent, j'aime bien mettre un peu plus de... les plus grands, un peu plus en dessous. Même quand je répartis, je trouve que ça fait comme si la légèreté montait en fait. Comme ça, comme un mouvement de qui monte. Et du coup, je trouve que ça fait plus léger. Mais je le fais pas toujours. Voilà. Donc quand je fais avec, je veux mettre un certain nombre de couleurs, généralement je les change de côté comme ça, je sais que je passe au suivant quoi. J'essaie d'entremêler un petit peu les couleurs, mais je fais plutôt par 3 points à chaque fois. C'est à vous de voir ce que vous aimez, ce qui vous parle. Au moment venu, vous pouvez tapoter aussi. Je le ferai tiens, avec la dernière couleur. Tapoter un petit peu. Comme ça. Ça fait un peu confetti. Peut-être acheter. Quand même plus joyeux comme ça. Manque un petit peu de fun, ce panda tout noir et blanc au début. Je vais vous montrer une petite dernière astuce à la fin. C'est que mon panda, pour lui donner un peu plus, un côté un peu plus concret, un peu plus ancré, je vais dessiner, enfin lui faire un petit ombrage. Sinon, les personnages, ils ont l'air de planer un peu, d'arriver de nulle part, d'être dans les airs comme ça. Et mettre un tout petit ombrage, ça change tout super vite. Donc généralement, je fais ça à l'aquarelle. Parce que j'adore l'aquarelle et que j'utilise essentiellement ça. Mais là, je vais prendre le Tombow parce que j'étais sur des feutres un peu plus costauds, donc je vais rester en cette veine-là. Donc l'idée, c'est de venir dessiner un ombrage sous ses pieds et dans la direction de la lumière. Donc là, c'est là où c'est le plus marqué. Là où c'est le plus marqué. Hop. Et là, c'est très peu marqué. Et comme ça, le petit panda, il a l'air d'être plus concrètement posé dans le décor. On peut venir aussi marquer plus loin, comme une ligne de sol, par exemple. Comme ça. Mais c'est pas obligatoire. Je vais remettre un petit peu d'ombre ici. Parce que c'est vraiment là où il y a le pied. Voilà. Et donc voilà, c'est fait. C'est plein de peps, de vie. Alors qu'au départ, on est parti quand même que noir et 4 couleurs. Mais vous voyez qu'avec finalement très peu de matériel. Bon, il y avait quelque chose qui était préconstruit, mais même si on enlève ça au centre et qu'on le dessine avec des points dedans, ça fonctionne aussi bien et on arrive à quelque chose de très dynamique et très vivant. Voilà, donc moi je vais écrire l'intérieur et puis je vous souhaite des super moments de création, d'amusement, de joie, de fun et de dynamisme. N'oubliez pas que vous pouvez liker, vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Partagez et me laissez un commentaire si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Amusez-vous bien. Bye!